Je vous souhaite la bienvenue à la fête de l'abbaye du terroir et vous remercie pour votre présence. Je tiens tout d'abord à saluer le travail du service de l'environnement et l'unité des développement durables de la ville de Nancy, qui sont les instigateurs de cette manifestation et qui ont beaucoup œuvré pour recevoir ici. Merci à eux. Pour cette deuxième édition, je suis très heureux de pouvoir présenter le potager du parc Navazza. Potager participatif, inauguré au mois de mai dernier, il attend votre visite et se situe à côté de la grange. Ces derniers mois, de nombreuses classes d'école primaire, des habitants et des réfugiés se sont occupés. Ils ont échangé et découvert les joies du jardinage sous la supervision et grâce à la bienveillance de la section des espaces verts de la commune. La majorité de la production de ce potager est donnée à l'épicerie solidaire de notre commune. J'ai aussi le plaisir de vous communiquer que ce potager a reçu le deuxième prix du concours Nature en ville du canton. Le concours Nature en ville encourage la réalisation d'actions favorisant la nature dans l'habitat genevois. Un grand bravo donc aux divers protagonistes qui ont œuvré pour concrétiser ce projet dans un temps relativement restreint. La fête de l'abbaye du terroir est comme ce potager, un espace convivial de sensibilisation. Lieu de rencontre, d'apprentissage et de renforcement des liens sociaux, cette manifestation permet de découvrir des produits de qualité et des artisans de la région. C'est aussi un espace de réflexion sur notre mode de consommation et notre relation à l'environnement. Les abeilles en sont un symbole fort. Un débat débutera sous peu et aura pour thème la disparition de ces dernières. Il s'agira de rappeler l'importance et le rôle de ces insectes, ainsi que le combat quotidien de certains apiculteurs qui voient chaque année leurs ruches décimées. J'en profite pour remercier les personnes qui participeront au débat et se sont déplacées aujourd'hui pour nous sensibiliser à cette problématique. Cette année, la fête de l'abbaye du terroir s'est associée à la manifestation nationale de la semaine du goût, un moyen supplémentaire de rappeler l'importance de l'alimentation dans notre quotidien, mais également l'importance de nos choix en tant que consommateurs. Se nourrir est source de plaisir. Cet acte essentiel a un impact direct sur notre santé, notre bien-être et notre environnement. Impact que l'on néglige bien trop souvent. Cette fête est donc l'opportunité de prendre le temps de déguster des aliments sains, locaux et goûteux, de soutenir les producteurs genevois et de repenser notre rapport à la nature. Merci donc à tous les exposants présents pour leur travail essentiel. Je vous souhaite une très belle fête de l'abbaye du terroir. À toutes et à tous, merci.